Nous voilà repartis avec la meute à la recherche de nouveaux loups et les voici. Le loup marron qui veut bien devenir mon ami tout de suite. Oh mais extraordinaire! Et ben voilà, trois nouveaux loups dans la meute. Trois espèces, enfin deux, trois... trois spécimens d'une nouvelle espèce que l'on va s'empresser de mettre avec un nouveau collier. Ah, le rouge lui va bien. Bon, la nuit tombe, donc il est temps de partir d'ici. Mais bah voilà, une expédition. Ah bah désolé, toi, on va te laisser là. Une expédition rondement menée à proximité du village. Ah, je pensais pas tomber aussi rapidement sur une deuxième espèce. Mais c'est génial. Voilà, donc on va pouvoir hop, repartir au village assez rapidement. On sort de cette forêt. Est-ce qu'on était par là tout à l'heure? Ah, c'est là où on a vu le grand feu. Ah oui, d'accord. Ok. Donc on arrive de par ici. Allez, on retraverse tout ça. Direction le village avec nos trois nouveaux loups. Oh punaise, y a du monde là. Allez, on se barre de là. Oh mais punaise, non, c'est pas là, non, je suis pas parti de mon côté. Je sais pas où je suis, il n'y avait pas de neige tout à l'heure. Vite que l'on capte une hauteur. Pour retrouver les lumières du village. Qui doit se situer... Oh, j'ai cru voir une tour de château, mais ça n'a rien à voir. Allez les loups. Explosez-moi ce squelette qui a osé me tirer dessus. Voilà. Non mais oh. Ah d'accord, je suis là. On voit la tour des villageois ici, donc le village est plutôt par là-bas. Je suis beaucoup trop près de la tour des villageois et j'ai vu le creeper. Ouais, je préfère prendre quelques dégâts de chute plutôt que de l'affronter. Ah non, encore un autre. Ah mais je suis tellement éloigné, je suis parti où? Oh, aïe, 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 oh non. Allez, allez. Faut que je reparte ici. Mais sans tomber et sans que les loups ne chutent eux non plus. Allez, allez, allez. Ah, oh, puis ça spawn de partout là maintenant. Ouais. Go! Aïe, aïe, aïe. Non, c'est bon, ça passe. Ça frise un petit peu de temps en temps, mais c'est bon, ça passe. Voilà. Voilà, comment se protéger sous l'eau de toutes les attaques. Sauf si bien sûr il y avait un noyé avec un trident et alors là j'aurais été mal. Oh là là, mais je ressors dans trop rapidement à des endroits qui me plaisent pas du tout. Voilà, je veux éviter ça, que les loups ne chutent et qu'ils meurent de chute. Parce que d'ici à ce que je retrouve des tatous pour leur faire des armures, je pense que je suis quand même assez loin
des zones où les tatous vont spawner. Allez, nous voilà au village. Et c'est bon, c'est repris. Encore un autre là. Bien joué les loups. Alors, moi je vais pas dormir ici. Donc mon cerisier, il a poussé. Oh, mais il y a du monde quand même là. On se refera un petit décor par là. Oh, comment il m'a fait peur. Je m'attendais pas à ça. Waouh. Allez. Le jour se lève. Il y a trop de monde. Il y a beaucoup trop de mobs à apparaître là. J'ai vu un tomber ici. Voilà, je prends les os. Car vous l'avez bien compris, ce n'est que le début de la meute, avec donc d'un côté les loups des bois et de l'autre les loups marrons. On est bon pour ça. Non, voilà, il y en a encore un là. Et donc là, il va y avoir le petit. Voilà, donc on va essayer de mettre un collier de couleurs différentes. Hop. À l'autre petit aussi. Il est parti où? T'es où? T'es où? T'es là? Non, c'est pas toi. Les autres, j'ai pas fait se reproduire. Ah bah non. Bon, bah c'est génial ça. Voilà, et vous pouvez vous reproduire comme ça. On aura aussi un petit comme ça. Très bien. Bon, bah voilà. On va se laisser sur cette belle note avec ces deux espèces de loups trouvées, je trouve, super rapidement. Je vous dis à très bientôt pour, j'espère, encore d'autres loups. Est-ce qu'il y en aurait là-bas dans cet espace pour trouver éventuellement d'autres loups, d'autres espèces, une troisième espèce? Alors il faudrait vraiment que je trouve une zone enneigée, mais pour ça il va falloir que je refasse le plein de nourriture et que je m'occupe quand même un petit peu du village. Donc voilà, je vais vous dire à très bientôt pour la suite de ces aventures. Salut.